Bienvenue à tous pour cette étape du Trofeo Series GT6 sur le circuit de Brands Hatch ce soir. Et on sent que ça crisse, voilà, il y a encore une, encore des lags. Donc à mon avis ça va encore péter un peu. Alors peut-être moins. Allez, on va attendre les premiers temps. Là, il y a un beau lag. Là, on a eu un beau lag, à mon avis. Allez, premier temps, 17.4 Canados. En 17.4. Oh, bah, j'en vois carrément. Alors, est-ce que je vois les autres? Oui, je vois les autres. Je vois les autres, tout va bien. Ah, erreur de Ringo. Allez, on va repartir sur Kevin. Parce que ça m'angoissait un peu de ne pas voir les temps. Justement, maintenant je vois les temps des derniers. On voit que le jeu est pas au point, hein, clairement. Il y a des problèmes de serveur encore. Canados, 13.1, voilà, mini lag. Voilà. Donc, qui fait les lags? Je ne sais pas. Alors, on va voir regarder les premiers temps, parce qu'on est là pour ça quand même. Une 29.904 pour Kevin. Donc meilleur temps actuellement. 2 secondes 2 d'avance sur Rodwid. Alors Adria qui dit qu'il y en a beaucoup au match that before. Plus qu'avant. Kevin donc en tête. Rodwid à 2 secondes 2, 2 secondes 4 pour Dav. Voilà, vous voyez les temps. Hein. Allez, on va suivre. Ouais. 13 secondes 3 dans le troisième secteur pour Kevin. 13 secondes 2 pour THG. Tour précédent, pardon. Ah, 20 secondes 4 en quatrième secteur pour Kevin. Meilleur temps absolu. On va voir son temps là. Il approche encore le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Eh ouais, il creuse une 26-401. Rodwid va-t-il pouvoir répondre? Non, Rodwid ne répondra pas. Oh, Canados! Canados a répondu, 26-062. Aïe, aïe, il se manque juste derrière. Maintenant, c'est à Kevin de répondre. Il a 339 millièmes de retard. Dav est passé 3ème à 3 secondes 467. Neymar, à son tour, passe 3ème. Peut-être que Ringo va faire un bon temps là. Il a l'air pas mal. Il y a du mouvement, alors on peut pas tout voir. Hein. Voilà, Canados s'est passé 3ème, c'est Jérémy qui est passé devant. Oh oui, Ringo, il va faire un bond là. Deuxième, Ringo deuxième, réponse de Kevin. Ouais, THG qui va peut-être laisser tomber cette partie-là. Trop de lag peut-être chez lui. Allez, Kevin, va-t-il pouvoir répondre? Oui, il reprend de la tête. Une 24-875. 435 millièmes d'avance sur Jérémy. Alors, Alex Ripper. Où est-il, Alex Ripper? Il est dixième. Il reste dixième.
qui peut-on aller voir très rapidement? Peut-être Neymar. Il est 9ème pour l'instant. Ah, il a relâché l'effort là. Il a relâché l'effort. Il est 9ème maintenant. Du côté de Jérémy Létopite. THG, il continue. Il est là. Il est toujours là malgré les lags. Alors lui est au contraire, n'a aucun problème. Kevin, passé deuxième. C'est Adria qui a pris la tête. Une 24-822. Les temps tombent. THG 5ème. Allez, il va falloir encore répondre, Kevin. Kevin restera deuxième. On repart du côté d'Adria. Adria, que fait-il? 13 secondes, 13 secondes 3. Ouais, c'est pas d'amélioration là. Géro, c'est 7ème. Il est plutôt pas mal là. En 7ème position. On va-t-il faire un bon. Oh, ouais, attention, on va ne pas perturber les concurrents. Troisième, Géros. Troisième. Bandit, il est 8. Peut-être Dima. Peut-être améliorer quelque chose. Là. Ça va être compliqué pour lui, peut-être. Ouais, Dima n'améliorera pas. Bandit, toujours 8ème. Adrien reste au pit. C'est à Kevin maintenant de jouer. Il lui restera un tour pour éventuellement améliorer. Et leader, une 24-154. Allez, allons du côté de du Jérémy par exemple. Quoi que Géro c'est 3ème, il est où? Géro va en finir. Il restera un tour ensuite. Va-t-il encore améliorer? Non. Allez, du côté de Jérémy. Avec des pneus neufs. Ce qui sera son dernier tour. Jérémy deuxième, 24-805. Dave reste 12ème. Adria est reparti. Adria est reparti. Non, Adria n'est pas reparti, pardon. Il reste une minute. Qui va finir? Peut-être Ringo en 5ème place. Ringo est trop loin. A priori c'est terminé. Canados peut-être. Canados sera trop loin pour améliorer. Voilà. Sixième. Donc voici a priori Alex Ripper. Alex Ripper passe 9ème. Alex Ripper passe 9ème. Et donc a priori voilà les temps définitifs. Alors ça finit de partout. Allez, on va voir peut-être ce qui se passe du côté de Bandy. Il est 8ème actuellement. Il n'améliore pas non plus. Allez, on va rester sur ce classement. Même s'il y a des améliorations, c'est pas grave. Voilà. Jérémy, Kevin est en tête, suivi de Jérémy. Voilà, il y a eu des petits mouvements, rien de bien grave. Et Adria et Jérémy finissent à
13, 14, 15, 16, 17 millième entre Jérémy et Adria. Suivi de Geros, Ringo, Canados, THG, Bandit, Neymar, Reaper, ProDrive, Redwid, Dav et Joffre Pas. Je n'ai pas les temps malheureusement, donc on les aura peut-être plus tard. Mais Joffre Pas n'apparaît pas ce soir sur mes données, donc on va faire sans lui. Hein. Et on va suivre cette course de 40 minutes sur Brands Hatch. Alors j'espère que là, a priori ça s'est stabilisé sur la fin. Donc les lags ont peut-être disparu. Ah là, Joffre Pas est dixième. Hein. Joffre Pas est dixième. Et je vois Joffre Pas, miracle. Eh oui, le miracle s'est produit, mesdames et messieurs. Je vois tous les concurrents. Allez, on va rester sur Joffre Pas, vu qu'on l'a... Ah non, non, il n'est pas là. Il n'est pas là, il est pas là. On oublie, je pensais, mais... Alors, oula, mauvais départ de Jérémy, là. Qui se fait dépasser tour à tour par Géros et Adria également. Oula, c'est compliqué. Oh, Ringo qui l'attaque, attention. Oh, c'est la foire d'empoigne devant. Derrière c'est pas mieux, hein. Derrière c'est pas mieux. Allez, on va suivre depuis Jérémy ce qui se passe devant. Allez, les trois premiers. Adria précédé de Géros et Kevin. Mais là, ouais, là, on a une belle bataille pour la deuxième place là. Ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Alors, Joffre Pas n'est pas là. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous voyez un pilote là. Il apparaît, mais. Je n'ai pas ces données donc. Allez, toujours aussi resserré entre Adria et Géros. Va-t-il tenter quelque chose là dans l'épingle? Non. Mais Géros est resté à l'extérieur hein, sur les livreurs. Oh Kevin! Oh l'erreur de Kevin qui est parti large là-haut. Et du coup c'est Géros qui revient là. Et là, ils ont creusé les trous. Là, Canados est 4ème, Ringo est 5ème, Jérémy 6ème. Jérémy qui a perdu gros là, en ce début de course. Allez, ça va être le moment pour Adria. Peut-être au prochain virage, s'il s'écarte. Ouais, ça va être compliqué ici. Il a une seule trajectoire ici. Géros qui essaie de fermer les portes. Hein. Et Jérémy, Kevin qui en profite là devant. Géros, il y a peut-être une course défensive là pour l'instant. Il essaie de couper. Attention, attention, attention quand même. A laisser la place. Allez, Kevin s'échappe. Hein. Kevin s'échappe. Jérémy passé 5ème. Il a dépassé Ringo. Il a dépassé Jérémy. Il a dépassé Canados. Canados, maintenant 5ème. Ça profite à Kevin. Hein. Que va-t-il faire? Oh là là, oh là là là, il coupe la trajectoire. Alors est-ce que les deux voient? Je ne sais pas, mais là c'était viril. Tellement viril que ça a traversé. Attention quand même à un excès de défense. Ah, Jérémy est là. Jérémy est là. Géros qui ralentit tout le monde là. Qui ralentit Adria du coup. Attention, hein, Géros qui conduit plus en regardant ses rétros. Et Adria qui revient à la charge. Et ça va passer. Non, ça ne passera pas. C'est maintenant que ça passe. C'est maintenant que ça passe. Adria qui va peut-être pour aller chercher. Oui, Géros qui fait l'erreur. Voilà. Géros qui fait une erreur.
Voilà, et qui va finir. Qui finit entre Redouid et ProDrive Dima. Et du coup, Kevin en a bien profité là. Parti bien devant. Ouais, c'était vraiment chaud là, ce début de course en tout cas. Mais peut-être que Géros a péché par excès de défense là. Il aurait dû peut-être se concentrer sur sa conduite. Parce que ça lui a coûté très cher hein, cette histoire. Et Géros maintenant qui est perdu, hein, qui est perdu dans le peloton. Peut-être voir les temps très rapidement. Voilà, on a les temps là modifiés en temps réel. Canados en 11e place. Je regarde quand même l'écart. Allez, on va peut-être suivre ce qui se passe avec Canados et Dave. Voilà, qui bataille pour la 10e place. Oh. Canados, il a tenté un truc là. Je sais pas s'il comptait transformer sa voiture en tondeuse. Mais... Et du coup, Dave prend un peu d'espace. Un peu d'avance. Dave, trajectoire très extérieure pour Dave. Oulala, il a oublié de freiner Dave. Et du coup, Bandit est là. Hein. Bandit est derrière Dave maintenant. Il va y avoir du spectacle là. Il va y avoir du spectacle à cet endroit là. Oh, et Dave. Oh là là, Dave qui lâche complètement. Qu'est-ce qui se passe-t-il pour Dave? Il a oublié de freiner. Il a des. Il peut pas y avoir de problème de frein dans le jeu, donc c'est pas un problème de frein. Mais oui, c'est très étrange là, c'est coup sur coup, une trajectoire très extérieure. Du coup, Bandit en profite. Allez, peut-être aller voir les temps très rapidement. Encore une belle avance, hein. Kevin, belle avance. Adria a beau améliorer. Alors pour l'instant, c'est Kevin qui a le meilleur tour. C'est serré là, c'est serré avec Géros. Peut-être voir du côté de... Oula, il y a du mouvement. Oh, et Ringo qui s'est planté. Et là, sa bataille. THG, Redouid. Ça risque. Oh non, ça ne passe pas. L'hommage à Jean Alési, oui. T'as pas cela. Ouh. Voilà, tu voulais que je le fasse, je l'ai fait, Duff. Allez, THG qui fait l'erreur. Et du coup, Redouid passe quatrième. Alors tous les résultats que vous entendez là sont sous caution, puisque sous rectification possible, puisque je ne vois pas les résultats d'un concurrent. Donc, en l'occurrence, Joffre pas. Que je ne vois pas. Donc c'est sous réserve, hein, tout ce que je vous dis. THG est sous la menace directe de Géros, 6ème.
Allez, c'est peut-être le temps de voir l'étang, justement. Alors, on va peut-être aller sur Kevin pour voir les classements. Alors, on voit que j'étais à Gégéros, voilà, il y a une seconde entre les deux. Oh, mais il y a Neymar et Ringo, là. Neymar et Ringo. Pour la huitième. Oh là, au poids, oh, un lag. C'est rien, c'est un lag. Allez, très rapidement. Et Canados et Bandit également. Oh là, il y a plusieurs duels. Hein. Canados, Bandit. TAG Géros, on n'y est pas encore, mais ça va pas tarder. Oh, et derrière. Canados a fait une petite erreur a priori. Allez, on va voir très rapidement. Canados c'est Bandit. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Coude à coude. Coude à coude les deux pilotes. Qui va lâcher le premier en virage? C'est Bandit. C'est Bandit qui est bien là. C'est Bandit qui est bien. Non, il laisse finalement Canados. Il aurait pu tenter l'intox là. Ouais, mais Canados fait une erreur tout seul. Ouh, et très prudent, Bandit, oui, qui laisse ce Canados aller au casse-pipe là. Oh là, ça lag. Ou alors, Canados, ça a énormément de lag, hein, mais. Ouais, c'est compliqué de le passer. Peut-être des lags. Peut-être des lags pour Canados. Du coup, le français aura du mal à le passer. Oh, Bandit qui fond littéralement sur Canados là. Et Neymar et Ringo sont là. Neymar et Ringo sont là, ils reviennent. Ils reviennent sur les deux pilotes. Oh, Neymar qui fait une erreur, qui part dans le décor là. Oh, il y a du mouvement. Ouais, ProDrive également, Ringo également. Oh là là, mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour les trois pilotes? Incroyable. Oh, et Canados. Ah oui, Canados lag beaucoup, j'ai l'impression. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bandit est très prudent là. Alors, Neymar est ressorti leader de ce gros bazar là. Oh, mais Canados va au pit. Canados va au pit. Allez, c'est l'heure de voir les temps. C'est l'heure de voir les temps. Très rapidement. Voilà, Neymar, Ringo. On a du mouvement. ProDrive est passé. Allez, quatrième place. Ah oui, bataille pour la deuxième place ici. Entre Jérémy, Adria et Redwid. Redwid. France, Espagne, Grèce, le trio pour la deuxième place.
Allez, on va se mettre sur Adria. On va se mettre sur Adria. La priorité est là. Alors, vous voyez pas Kevin, c'est normal. Il fait une Rosberg hein, actuellement. Il fait une Rosberg Hamilton là. Il a profité du début de course très défensif de Géros qui était deuxième et qui a bloqué Adria derrière lui. Et il me semble que c'était Adria d'ailleurs. Oui. Profiter pour partir loin, loin, loin. Et voilà, Adria est passé. Oui, Adria, il a. Oui, c'est stratosphérique. Alors, on va attendre peut-être les temps réajustés. Et 21 secondes d'avance. Hein. 21 secondes d'avance pour Kevin. Et Jérémy. Oh, Jérémy, où est-il allé là? Alors on va voir les temps. On va voir le temps d'Adria là sur ce coup-là. Alors son précédent temps était de 1:25.997. Et Redouid est là, hein. Redouid est derrière là. Il a ralenti Adria, il a ralenti Jérémy. Hey à toi Samuel. Belle course là que vous êtes en train de voir en direct. C'est serré hein, c'est serré. Et pour la deuxième place, ça s'écharpe. Alors là, on a plus de chances de voir Redouid revenir sur Jérémy que Jérémy sur Adria. Certainement. Redouid va perdre du temps sur cette manœuvre. Peut-être rapidement les temps. Alors on voit plus hein, tout le monde a un tour. Neymar, Reaper, DAF, ProDrive sont à un tour. On va rester sur ces trois pilotes. Régime moteur là. Allez, régime moteur, il a fait perdre du temps Redouid là. Il est vraiment parti très très bas. Il a dû rétrograder un peu trop vite. Justement. Passer trop vite. Oh Redouid, qu'a-t-il fait là? Ah ouais, du coup ça passe. Oh, ça passe derrière et c'est très serré là. C'est très serré ce qu'on voit. Géros THG pour la quatrième. Oh, on a deux duels là maintenant. Qui va peut-être se transformer en un duel de quatre pilotes pour la deuxième place. On va peut-être voir les temps précédents des deux pilotes là. Une 27, une 27. Ouais, oh, c'est pas énorme. Non. Finalement, il se rapproche pas tant que ça. Et Géros qui est au pit avec Jérémy. Allons voir du côté peut-être de Kevin, là, qu'on n'a pas vu depuis le début de la course. On va aller le voir. On va voir ses temps.
23 secondes d'avance, il a encore augmenté son écart. Ah oui, oui, il est parti dans le sable, j'ai pas compris là. Très bizarre. Alors peut-être qu'il a contrebraqué fortement et que... Que du coup la voiture a fait un tiré tout droit. C'est bizarre. Allez, le but du jeu maintenant, clairement, ouais, bah, j'allais dire qu'il allait battre ses propres temps, mais il est au pit. Allez, on revient en position normale. On voit Adria. Alors, Dave a un tour de retard hein, sur Adria. Troisième place, on retrouve THG. Bandit en quatrième place. On va peut-être aller observer ensuite ce qui se passe très rapidement une fois que Kevin sera ressorti. Oh, Adria est au pit également. Adria est au pit également. Kevin ressort. Où va-t-il ressortir? Il ressort devant. Pardon. Je fais une boulette. Ah, il ressort devant. THG, ça joue à combien de secondes? 6 secondes 9. Bandit à son tour au pit. C'est la mi-course. C'est la mi-course. Il reste 19 minutes 13 dans le temps réglementaire. Adria lui ressort. Ça s'annonce, peut-être un beau duel dans les prochains kilomètres. C'est serré derrière également, j'ai l'impression. C'est l'accès le plus serré. THG Topit. Ouh, THG Topit, mais alors attention. Qui c'est qu'il a derrière lui? C'est Réduide. C'est Réduide qui est derrière lui. Les écarts maintenant. Oh, Réduide! Oh là 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 là, Réduide s'est fait peur. Réduide s'est fait peur. Allez, on va dire qu'il reste au contact. Mais il a perdu quelques mètres là, sur cette manœuvre. Il y a une seconde une entre Jérémy et Adria. Ça se rapproche pour Adria.
Ouais, maintenant, Adria est là et collé à Jérémy. Il va tenter quelque chose dans le premier virage. Ouais, il se décale. Jérémy ferme la porte. Belle parade de Jérémy. C'est pas loupé en sortie de virage. Ouais, là, il a bien coupé. Adria ressort fort. Il se décale à nouveau. Non, pour l'instant, non. On est dans un round d'observation, là, entre les deux hommes. Mais ça suffit pour qu'Adria soit collé à Jérémy. Allez, une prochaine parade, une prochaine tentative, certainement. Là, il va sans doute se décaler. Voilà qui est fait. Il va tenter de l'intimider. Pousser à la faute. Parce que là, Jérémy conduit dans ses rétros, a priori, hein. À gauche, à droite, il se montre. Jérémy fait l'erreur. Jérémy fait l'erreur. Voilà, Adria au métier. Bravo, Adria, deuxième prise de risque minimum, efficacité maximum. Allez, en sixième, on va retrouver Redweed qui est sur THG. Oh, les deux ont fait la même erreur. Hein. Et du coup, l'écart s'est agrandi là entre Redwood et THG. On va suivre les temps sur les autres pilotes. Bandit Canados. Bandit Canados, ouais, oh là. Bandit 7ème, Canados 8. Oui, Canados, le calvaire continue pour Canados là. Alors, appel de phare de Canados, que s'est-il passé? Peut-être reproche-t-il quelque chose à Bandit? Un passage en force, peut-être. Une seconde d'avance hein, maintenant. Allez, on va peut-être revenir sur Redwood là, il y a moins d'une seconde. Les écarts stabilisés entre THG et Redwood pour la cinquième place. Allez, Canados top 8. Canados est top 8. On va
solide. Oui, Adria fait une erreur là. A priori, est-il passé au pit? Possiblement passé au pit. Hein. Il est sur Géros. Ah, et Adria a dû passer au pit. Adria passe sans difficulté. Oula, attention aux dégâts. Voilà, qui est fait. Alors, le but du jeu maintenant pour Adria, c'est d'aller chercher Jérémy. Et il lui reste 8 minutes 40 pour le faire. Alors, les pneus de Jérémy vont peut-être pas l'aider. Alors, il a 7 secondes, une de retard. Alors, j'observe le temps. Pour l'instant, on réduit du THGC statu quo. On va peut-être observer la remontée éventuelle d'Adria sur Jérémy. Allez, 6 secondes 9 au passage de la ligne. 6 secondes 8. Ah, il y a Neymar, hein. Il y a Neymar. Attention au trafic. Ah, Neymar s'est loupé. Neymar se loupe, attention. Ouais, non. Pas de danger au retour éventuel en piste. Voilà, on repart derrière Géros. 6 secondes 4. Alors, nouvel écart, attention. 5. Et entre réduit et THG, ça joue comment? 7 dixièmes. Allez, 7 dixièmes. Aïe. Décidément, réduit d'avant, on vend de mal. Hein. Il se rapproche et il a du mal à confirmer. Alors attention à Neymar. Voilà, Neymar va peut-être jouer l'arbitre, le duel. Il y a 6 secondes 2 entre Adria et Jérémy. Oh là là, il a perdu gros réduit de la 1 seconde 7 maintenant. Oh pff, ouais, alors là. Ouais, et la Dave maintenant devant lui. Dans un
passage difficile pour doubler. Ouais, il y a Dav, Jaros maintenant. Oh, Jaros est là, Jaros est là. Et quatrième maintenant, THG. Ah oui. Ouh, attends, que s'est-il passé? Oh, j'ai pas compris. Déco de Jaros? Aïe, 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 oui, déco de Jaros. Dav, ouais, qui respecte un peu trop bien le drapeau bleu. Mais là, c'est, ça va être très compliqué. Il reste moins de 4 minutes 30 pour Réduide. Oh là là, et puis il a rétrogradé là en plus. Bah, il a passé la vitesse, là, ça lui a fait perdre un temps fou. 3 secondes maintenant. La remontée folle d'Adria, ça va être compromis également. Allez, le nouveau temps pour Adria. 4 secondes, 3. Il lui reste 4 minutes. Donc potentiellement 3 tours. Oh là là, ça part en cacahuète là. Joffre pas également. Alors 4 secondes 3, dernier pointage. Voilà, Jérémy vient de passer sur la ligne. Adria, 4 secondes. Il est là, Jérémy, il est là. En haut là, à l'épingle. Secondes 7. Sont les pneus de Jérémy. Oh, les pneus de Jérémy sont pas beaux. Les pneus de Jérémy sont pas beaux. Et un pneu avant droit, un pneu avant gauche à 4. Allez, 2.35, 2.34. Et ouais, il reste 2 tours. Secondes 4. Nado, c'est Ringo là aussi également en duel. Canados, Ringo. Et a priori, est-ce que c'est Canados qui aurait pas encore perdu une place dans cette affaire? On dirait. Parce qu'il était tout à l'heure derrière Bandi. Deux secondes 7. Il lui restera un tour ensuite. Il lui restera un tour ensuite. On s'arrêtera au 28e tour. Alors possiblement, hein, faut voir où Kevin en est. On passera sur Kevin, hein, une fois que le compte à rebours sera terminé. Sa bataille après Ringo et Canados. Une seconde 8. Ringo Canados très rapidement, très très rapidement. Aïe aïe aïe, ouais, non, il rate encore une occasion. Même endroit en plus hein, que tout à l'heure. Là, on l'a vu tout à l'heure. Canados, allez, on repart très rapidement. Là, il reste 20 secondes. Il reste 20 secondes. Et donc, c'est le dernier tour. Sur Kevin. Kevin devant finir.
Il aura une course tranquille, hein. Il aura une course tranquille. Il a 43 secondes d'avance. Belle victoire de Kevin. Voilà, bravo à lui, Kevin, qui remporte cette course. Alors attention à la deuxième place maintenant. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Ça risque d'être compromis cette histoire. Mais il aura bien remonté, il aura bien remonté Adria. Ça ne sera pas joué à grand chose cette histoire. Attention Jérémy, hein, pas de faire d'erreur dans le dernier virage pour rester deuxième. Et voilà, deuxième place pour Jérémy. C'est officiel maintenant. Voilà qui est fait, Jérémy. En quatrième. THG tout seul. Qui finira quatrième. Redouid, cinquième. Bandi, sixième. Alors, qui est un tour devant ProDrive. Voilà, qui vont finir Bandi. Mais on va revenir peut-être. Ouh, Ringo, il est resté. Ah oui, c'est terminé en fait. C'est terminé. Les autres ne rentreront pas dans les temps, a priori. Ouais, ça, la course est passée vite. Hein, la course est passée vite. Et donc, du coup, voilà le résultat final. Et le meilleur tour pour Kevin. 23-764, presque une seconde. Une seconde sur Jérémy, deuxième, le meilleur tour. Et voilà qui clôture la course de ce soir. Ce trophée, Roadster Trophéo Showdown, comme on dit. Ah, Brenzach. Alors, on va voir le résultat de la course, du coup, voilà. Les temps, alors ça c'est le temps des qualifs. Kevin et Jérémy. Jérémy était parti deuxième. Adria troisième, Géros quatrième, cinquième Ringo, sixième Canados. Qui sont restés proches hein, jusqu'au bout. Ringo et Canados d'ailleurs. C'était HG septième, Bandi huitième, Neymar neuvième, Alex Ripper dixième, ProDrive onzième, douzième Redouid, treize Dav et quatorze Joferpa. Alors là c'est pareil, ça c'est une erreur. Hein. Il était dixième a priori. Et donc... Et voilà, statu quo, hein, comme vous pouvez le constater. Statu quo en haut, sur le podium. Kevin, premier des qualifs, premier de la course. En 40 minutes 10, suivi 43 secondes plus tard. Et 4 dixièmes de Jérémy. 6 dixièmes derrière, moins de 6 dixièmes. 5 dixièmes, Adrien, 3e. THG, 4e. Redouid, 5e. 6e, Bandi. Ringo, 7e. Canados, 8e. Neymar 9e, ProDrive 10e, Alex Ripper 11e et 12e Dav. Alors on n'a pas le temps évidemment de Joferpa et de Géros, puisqu'ils ont été tous les deux déconnectés au cours de la course. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette course. Prochaine course, je ne sais pas quand. Il y aura bien, selon les propositions de chacun. Pas de proposition pour l'instant, pas de retour. Non, pas de retour. Donc, je ne sais pas. On verra bien. Sachez que le GTWGP, lui, démarre début septembre. Donc, ça sera tous les jeudis. Et puis, voilà. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine course. Et puis, bah, écoutez, bye bye tout le monde. Ciao, ciao.